Zachary Gerardio, c'était quand même un peu dans l'esprit. Comment il s'appelle son nom, Laverde. Charles Pérez, voilà. Bah oui, je voulais faire des chansons pour les Français, quoi, parce que jusque là, j'ai privé pour les Belges. Donc, des Français, les gars. Et puis, voilà, je voulais faire. En fait, à ce moment, je me suis dit, je vais faire une carrière internationale, comme un Africain. Et il dit, bon, je vais faire du scat, comme ça, on va pas m'expliquer. Je m'appelle Dick, voilà. Il dit, je me fais Dick. Il dit, je, moi, en irlandais. Et puis, non, je dis, c'est quand même bien. Pete Seeger, d'ailleurs, là, il y a Bruce Springsteen qui va faire un disque parce que des chansons de Pete Seeger. Vous connaissez Pete Seeger? Pete Seeger, il est très, très vieux. Et chanter des chansons pour chanter, quoi, ensemble. C'est assez jaloux, ça. Donc, bon. Et ça, c'est une chanson que j'ai écrite pour chanter ensemble. Vous allez voir, les paroles, c'est pas difficile, vous les connaissez en plus. C'est quand même la phrase la plus sensée que j'ai écrite, c'est Zou Zou Zou. Avec une phrase tragique à la fin. Même ça, c'est franchement. Je suis pas vraiment un inventeur, je suis un découvreur de choses qui existaient déjà avant. Ça, c'était par exemple, c'était un peu Simon and Garfunkel. Et puis, l'histoire, c'était sur une puce, mais donc, bon, puce, ça rime avec quoi? Ça rime, bon. Mouche, ça se couche, quoi. Le matin, ça se réveille, donc ça pourrait être une abeille. Donc, une mouche. La merde. Permettez-vous que j'emprunte votre histoire de l'institut, histoire de l'univers. Une agite de mouche, comme toutes les mouches, le soir est sûr, un homme est sûr. Thank you.